Salut tout le monde, bienvenue sur Setup GT7 Gamepad. Aujourd'hui nous allons voir le setup de la Honda NSX GT500 2008 en EDP. Alors, voiture de groupe 2 donc, on passe à la hauteur 70 à l'avant, 80 à l'arrière. Voilà, la voiture tourne bien comme ça, il n'y a pas de problème de survirage, donc 80 là c'est nickel. Alors, pour la barre anti-roulis, 10 à l'avant pour que la voiture puisse tourner correctement. Et 10 à l'arrière, tenu qu'il n'y a pas de problème de survirage. Si vous voyez qu'elle survire légèrement, éventuellement mettez-la à 9 ou 8, quoi. Voilà, mais là normalement ça va très bien. Au niveau de la compression, une compression à 38 à l'avant et 38 à l'arrière, et en extension 42 à l'avant, 42 à l'arrière, ce qui fait 38-42 pour l'avant et 38-42 pour l'arrière. Alors, au niveau de la compression, moi ici j'ai une compression plutôt rapide, donc bien compressée, hein, pour avoir quand même comment dire, un châssis qui reste bien collé au sol, hein, voilà, avoir un châssis assez raide. On passe au niveau de la fréquence naturelle, donc 370, hein, voilà, plutôt souple pour que ta voiture puisse tourner correctement, et un peu plus arrière, 380. Au niveau du carrossage, pour avoir du grip, 3 à l'avant et 3,5 à l'arrière. Étant donné que je trouve que c'est une voiture qui a quand même moins de grip que les GTR Nismo 2016, hein, qui sont quand même plus récentes, hein, que celle-ci, voilà. Donc je mets un peu plus de grip, hein. Voilà, c'est des voitures qui tiennent quand même un peu moins au niveau du grip. Alors, au niveau du pincement, moins 0,15 pour avoir du grip dans les entrées de virage et plus 0,15 pour les sorties de virage. En ce qui concerne le couple à l'arrière, 20, l'accélération 15 et la sortie de freinage 35. Voilà. Alors là, il n'y a pas de problème au niveau de patinage ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est très bien comme ça. On passe au niveau de la boîte. Alors la boîte, vous la mettez sur boîte entièrement personnalisable course. Vous avez fait ceci, vous la mettez à 350. Après, vous mettez le test final à 4000, si je me rappelle bien, c'est ça. Et vous mettez vos rapports comme ça, là, voilà.
Voilà. Donc je sais plus si j'ai fait 350 et après vitesse 4000 ou sinon si vous voyez que ça va pas, vous faites quand elle se mettra sur 300 au niveau de par défaut. Une fois qu'elle est sur 300, vous mettez ici à 4000 là au niveau de la vitesse finale. Une fois que vous l'avez mis à 4000, vous mettez ici à 350. Après, vous revenez sur vos réglages manuels là et vous remettez ça comme ça là. 3112, là 2506, 2080, 1786, 1559, 1522. Alors, c'est une des deux solutions que je vous propose. Je ne me rappelle plus exactement laquelle, étant donné que c'est la boîte, je l'avais fait déjà il y a un petit bout de temps. Donc, je ne sais plus si je l'ai fait dans ce sens-là ou l'autre. Donc, vous verrez bien par vous-même après si c'est, comme je vous l'ai dit, directement en mettant à 350 et 4000 après. Et étalonner vos vitesses ou alors à 300 vous mettez sur 4000 donc hein, pour ceux qui ont un peu de mal avec les boîtes mettez sur 4000 je crois que je l'ai fait comme ça d'ailleurs 300 4000 puis après vous étalonnez vos vitesses comme ceci voilà puis vous mettez après la vitesse finale à 2404 voilà donc sinon bah, une voiture plutôt sympa à conduire hein, malgré que voilà sont quand même plus difficiles à manœuvrer que les GTR 2016, hein, voilà ce qui est totalement logique étant donné que c'est des versions quand même un peu plus anciennes, hein, voilà hein, donc elles ont quand même 8 ans d'écart au niveau du freinage notamment je trouve que bah, voilà c'est un peu moins compétitif que les GTR 2016 et au niveau du placement de la voiture voilà hein, donc elle a beaucoup moins de grippe, et sinon c'est une voiture plaisante quand même, hein, on arrive à faire quand même de bons chronos quoi. Voilà, elle s'adressera quand même, je trouve, à des personnes qui ont un peu plus l'habitude de rouler quoi, hein, dans le jeu. Donc pour les débutants ou joueurs occasionnels, je conseillerais quand même de prendre, voilà, si vous voulez être un peu plus performant, les versions 2016 hein, qui sont plus sympas à conduire. Voilà. Mais ça n'enlève quand même pas le charme de cette voiture-là que je trouve vraiment sympathique. Voilà. Allez, bah je vous dis à très bientôt pour un nouveau setup. Salut tout le monde et puis un bon week-end.